Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sont les box de Sabine de la boutique Poussière d'étoiles que j'ai reçu. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai juste ouvert un tout petit peu pour faire un peu moins de bruit pendant la vidéo. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, faites pas attention, j'ai une autre tête. Ah oui, sale tête. Ça, c'est bon. Alors, j'ai pris les deux boxes. Alors, il y a trois boxes chez Sabine. Il y a la box broderie, il y a la box à aimant aiguille et la box papeterie. Cela, je la prends jamais. Donc, voilà, c'est sur le thème des petites abeilles. Voilà. Alors, dans la box broderie, on va avoir une fiche broderie faite par Sabine. Un fil teinté main de 8 mètres. Pareil, c'est sa propre création. Un coupon de toile à broder. Donc, pareil, teinté main par ses soins. Donc, moi, c'est de l'étamine. Et un aimant à aiguille, voilà, assorti au modèle, et un accessoire de broderie, c'est une création aussi de Sabine. Et on va avoir donc la box aimant à aiguille sur le thème les abeilles et le miel. Donc dedans, on va retrouver deux aimants à aiguille inédits. Et là, le thème des abeilles. Voilà. Allez, on commence par la box. Voilà. Alors, on a un joli sticker déjà en forme d'abeille. Alors. Oh, il y a des jolies choses. Là, il n'y a plus rien. Alors, d'abord, on a la petite fiche qui nous explique ce qu'il y a dans la box. Donc, c'est ce que je disais. Je viens de vous le dire, je vais y arriver. La fiche broderie, le fil teinté, le teinté main, le coupon de toile, un aimant à aiguille et un cartonnancier. Voilà. Donc, ça, c'est l'accessoire broderie. Alors, le cartonnancier, il permet de mettre le reste de vos fils découpés de votre échevette durant votre broderie, afin de ne pas les perdre. Voilà. Et ensuite, vous pouvez demander par email, voilà, je vais y arriver, par email à Sabine de vous renvoyer la grille de broderie en PDF. Voilà. Il est possible de l'utiliser sur l'application Pattern Keeper. Voilà, j'ai du mal hein, aujourd'hui. Voilà, et l'explication comment on se sert de l'aimant aiguille. Et ici, elle demande que l'on puisse aller mettre un avis sur sa boutique si on est content. Alors. Voilà, il y a de jolies choses. Alors, d'abord, comme d'habitude, on a le petit cadeau. C'est un sticker. Il y a le petit sachet de thé. Derrière, il y a sa carte de visite. Alors, on va regarder à quoi est le petit sachet d'infusion ou de thé. Ça dépend des fois. Des fois, c'est une infusion. Des fois, c'est du thé. Et ici, réglisse menthe. À travers le plastique, ça sent pas. Alors, tiens, un petit jeu. Grattez-moi. Eh ben, écoutez, on va le gratter. Alors, est-ce que je sais le gratter avec ça? Non. Je vais peut-être le gratter avec. Avec mon enfil d'aiguille. Ça
peut-être marcher. Alors, oui, là tu enfiles l'aiguille, ça marche. Oui! J'ai gagné. Alors, je ne sais pas quoi. Je vais prendre la photo, comme elle, Sabine le dit. Il faut prendre une photo de sa carte si on a gagné et de lui envoyer par email ou via Etsy pour obtenir votre cadeau. Trop cool! Merci Sabine. Alors, j'aimerais vous redire ce que j'ai gagné. Ensuite, alors le comment on appelle ça, le cartonnancier, voilà, le voici. Alors je suppose que là on enroule les fils autour, voilà, mais c'est très 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 joli. Alors c'est en plastique, mais c'est vraiment très très beau. Alors, on va le mettre là. Ensuite, petit aimant aiguille avec le petit sticker thank you. Voilà. Surprise. Ouh, c'est joli. Regardez. Trop mignon, cette petite abeille. Trop trop bien. Ouais, elle est vraiment superbe. Donc c'est toujours avec un petit aimant. Hein. Vous avez l'aimant derrière. Hop. Voyez. Et ça tient bien. Donc il va rejoindre mon tableau de chasse à aimant. Là, il en manque quelques-uns parce qu'ils sont sur les broderies. Hop. Ensuite, on a le fil teinté main. Alors, le voici. Donc, avec la petite étiquette. Ça s'appelle l'abeille. Donc, dans les tons jaunes, il y a du blanc. Il y a du gris. Voilà. Donc ça, c'est un seul fil de 8 mètres. Voilà. Et c'est un fil DMC. Donc après, vous pouvez... alors, il est où le bout? Il est là. Voilà. C'est un fil avec 6 brins. Bien sûr. Voilà. Il est très, très beau. La toile, magnifique. Alors, donc moi j'ai choisi une toile étamine. Donc si je ne me trompe, je ne sais plus si c'est du 11, ça, ouais, je crois que c'est du 11. Du 11, non, c'est plus du 12 ça. Ça ressemble à du 12. Sabine me corrigera dans les commentaires si je me suis trompée, mais voilà, regardez-moi ça, la teinture qu'elle a fait sur cette toile, elle est juste magnifique, trop trop belle. Sabine tous les mois nous fait des merveilles. Alors je sais que ce mois-ci elle a encore battu des records de commandes. Elle avait augmenté les box. C'était 150 pour les box broderies et 100 pour les box aimants. Papeterie, je ne sais plus. Et tout est parti en 18 minutes. donc, je sais que... pour le mois prochain, elle augmente encore le nombre de box. Les box broderies vont passer à 200.
Les box à aimant à 150 et papeterie, je vous dis, là j'y fais pas attention donc je ne sais pas. Donc on va avoir 50 box de plus dans chaque box. Voilà. Alors en sachant que, oula, à l'heure où la vidéo est en ligne, vous avez dû voir la, enfin, pour certaines, vous avez dû voir le live de Angélique, je crois. Si je me trompe, je vous remettrai le lien de sa vidéo, de sa chaîne, qui a présenté toutes les nouveautés qu'il y a dans la boutique à Sabine. Et toutes les nouveautés sont mises à l'heure où je vous parle, elles doivent être déjà mises en ligne. Donc faites très très vite parce que là, Sabine va fermer la boutique pendant 15 jours pour elle s'occuper de son autre boutique qu'elle va ouvrir. Mais elle nous en reparlera et je vous en reparlerai à ce moment-là. Il y a sa boutique personnelle, voilà. Sur internet qui va ouvrir, non, je pense, si je ne me trompe pas, que ça doit être au mois de juin, mais je ne saurais pas encore vous donner la date exacte, mais je vous en reparlerai. Voilà, on est trop contente pour Sabine. Alors, je ne vous ai pas encore montré la grille. Bi 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 bi. Une jolie abeille, trop trop belle. Alors, on a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15, 15, 30, 29 couleurs, si je ne me trompe pas. 29 ou 30? 29. Non, 30. 30 couleurs, voyez. Donc on a la liste ici derrière. Là, vous avez votre petite abeille. Bon, je ne vous montre pas l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il y a une feuille, par contre, avec les symboles et les noms des couleurs. Voilà. Et alors, je vous montre juste un petit bout parce que je ne peux pas vous montrer. Voilà, voyez. Comment c'est imprimé, c'est toujours très très bien. Il y a combien de pages? Ben, il y a 4 pages. Oui, 4 pages pour la grille. Voilà. Donc, si cette grille-là, vous la souhaitez en PDF, que vous l'avez achetée comme ça et que vous la voulez en PDF, n'hésitez pas à envoyer un message à Sabine, elle vous l'enverra très très volontiers. Alors pour la box broderie, nous avons donc la grille abeille, la petite toile qui va bien avec. On a eu un fil teinté main, voilà, et on a eu le petit aimant, voilà, qui c'est le même modèle que la grille. Voilà. Alors les box comme ça, c'est 25 euros. Donc si vous ne connaissez pas encore, alors par contre, si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille de mettre une alarme sur votre téléphone le dernier jour du mois. Alors mettez l'alarme avant, bien sûr. Moi, l'alarme est mise pour l'année, comme ça je suis tranquille. Tous les derniers jours du mois à 17h pétante. Alors moi j'ai fait sonner à moins 5. Comme ça, j'ai le temps de me mettre sur le site et puis j'attends qu'il soit 17h. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre une alarme sur votre téléphone parce que je vous dis, ça part très très vite. Là, on a un autre petit papier, fil teinté main, création poussière d'étoile. Donc, teinté sur du coton mouliné de marque DMC, 6 brins, échevette d'environ 8 mètres, brodé croix par croix pour un meilleur rendu.
Comme tout fil teinté, notamment les couleurs foncées, il est préconisé de faire un lavage à froid, car malgré tout le soin apporté, certaines couleurs peuvent encore déteindre. Astuce, utiliser une lingette décolore stop en machine à laver. Voilà. Donc, c'est tout. Elle met toujours des petites astuces comme ça pour que l'on n'abîme pas nos ouvrages. Ensuite, la box aimant. Alors, on a toujours le petit sticker de l'abeille. Alors, on a toujours notre petit cadeau. Voilà, un petit sticker. Un petit sachet de thé ou d'infusion. On va regarder c'est à quoi. Oh, bah c'est d'actualité. Hein. Le breakfast English. Voilà. On est en plein dedans en ce moment. Hein. Ce week-end, on en a mangé à toutes les sauces. Le roi Charles... Et le petit sticker, regardez-moi ça, comment il est chou. Trop, trop beau. Alors, ici, on a toujours les petites explications, comment se servir des aimants, et le petit message de remerciement, et où elle vous demande de mettre un petit avis sur sa boutique. Alors, le premier, voilà. Alors, c'est toujours sur le thème des abeilles et du miel. Oh, c'est joli! Le pot de miel. Regardez-moi ça. Vraiment très, très beau. Donc, c'est toujours pareil. Hein. On a toujours... l'aimant derrière et le deuxième aimant pour faire tenir. Pour l'instant, je laisse sur les cartons. Et pour terminer, le dernier aimant. Ah, ben on a sa copine. On a la copine de l'autre abeille. Voilà. Regardez ça, comme elles sont jolies. Alors, voilà, les deux, les aimants que j'aurais eu aujourd'hui. Celui du milieu, ben, c'est celui de la box broderie. Et les deux autres, c'est la box à aimants. Vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. La box à aimant, elle est à 9 euros, 9,90. Je vous remets le prix, voilà. Bah écoute Sabine, tu nous as encore fait des merveilles, voilà. J'ai hâte de pouvoir le broder. Bon, tu sais que moi, niveau broderie, je suis un peu débordée. Donc, je brode un peu au compte-goutte chaque ouvrage. Là, en ce moment, je suis sur ta coccinelle, tu le sais. J'espère le mois prochain pouvoir commencer celle-là. Voilà. Car elle est très, très belle. Voilà. Et on a eu aussi donc, ce petit pas nuancier, cartonnancier, voilà, pour y mettre nos fils. Pendant qu'on fait notre broderie, voilà. Mais écoutez, moi je suis très très heureuse de vous avoir présenté ces box. N'hésitez pas à aller découvrir la boutique de Sabine hein, sur Etsy. Je vous donne, pour celles qui ne l'auraient pas encore, un code promo. Alors, le code promo par contre n'est pas valable sur les box, sur les nouveautés et sur les cartes cadeaux.
Mais sinon, tout le reste de la boutique, vous pouvez vous servir du code promo. Et le code promo, c'est tout en majuscule, Didit 2022. Voilà, je vous remets là. Alors, quand il y aura sa nouvelle boutique, je ne sais pas, elle va peut-être changer le code promo. Hein, mais tout ça, pour la nouvelle boutique, je vous referai une vidéo et je vous en reparlerai le moment venu. Encore un grand merci à Sabine, un grand bonjour et un gros bisou à sa maman qui me regarde, je sais, voilà. Et moi, en attendant, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.